C'est The Sonic, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 3 de Mini Games. Et nous sommes en compagnie de personne. C'est pas grave. Donc oui, je suis tout seul, Léon n'est toujours pas rentré. Normalement, quand vous aurez cette vidéo, je vais essayer de vous la faire sortir vendredi. Comme ça, bah, quand il rentrera, on pourra faire l'épisode spécial, vraiment spécial, pour la décoration. Ici voilà, donc on est arrêté ici où j'avais construit ce mini spawn, on va dire. Maintenant il manque plus qu'à faire l'architecture extérieure de ce labyrinthe. Vous voyez déjà comme ça, comme il a l'air, vous dites ouais mais il a pas l'air si compliqué que ça. On verra quand vous aurez testé, on verra si vous êtes toujours aussi abasourdi par la simplicité. Je n'ai toujours pas mis les trucs dans les affaires dans les distributeurs. Pour l'instant, les bonnes raisons que ben de 1 j'ai pas pensé, de 2 ben, j'avais pas le temps. Nous allons commencer. Je sais pas comment je vais mettre ça en place. J'avais pensé déjà faire une sorte de grande salle. On apparaît ici, puis on peut rentrer ici, puis on choisit. Je sais pas du tout comment je peux faire ça. Déjà je vais changer de paille de texture parce que j'aime pas du tout la pierre comme c'est. Voilà. Je suis là déjà un peu mieux. Alors, regardez une fois qu'on est dedans. Regardez, je peux vous montrer voilà ce que ça donne quand on va là-dedans. Et c'est bien pas bien pratique pour savoir où est-ce que vous devez aller. Parce que là vous êtes comme ça, vous dites ouais il y a plein d'espace ici, ouais mais il n'y a rien, etc. Là, je vous dis, j'ai pas encore essayé ce labyrinthe. Mais il a vraiment pas l'air facile. En plus que notre gentil ami Léon a mis quelques petits pièges dedans. Et j'ai pu les voir, ils sont bien sympas aussi. Ils sont bien sympas ces pièges. Voilà. Qu'est-ce que je vais... Bah oui, c'est... comment je vais mettre ça en place? J'en sais rien du coup. Voilà. Déjà, je vais faire un petit slash clear. Et je voulais prendre les barrières. Ce sont 8 objets. Quand même. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire ça. Donc je vais voir ce qui va, hein. Je prends des blocs et puis je reviendrai. Cela et cela. Alors, comment je pourrais mettre en place ce mur? Là. Si je place ça comme ça. Là ça donnerait ça. Donc je fais tout comme un improviste, hein. J'ai rien planifié à l'avance. Moi je suis comme ça, je planifie rien du tout. Moi j'ai fait en mode fuck la police comme Bob Lennon. Enfin, comme Bob Lennon le dit. J'ai rien planifié du tout, hein. Je fais tout comme ça, hein. Je sais pas vraiment du tout quoi ça va ressembler au final. Quelque chose de pas trop moche, j'espère. Ce serait bête. Là j'avais pensé à mettre des trucs comme ça. Non. Là si on met ça comme ça. Oh. Ok. So, it's a little bug for the game. And I don't know why I speak English. Voilà. Donc merci pour mon véritable super trop cool accent trop anglais. Voilà, merci. Donc ici le bug comme... Ah ben non. Ouais. Le bug que ça m'avait fait avec avec Aymeric Note 12, donc je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, maintenant elle va sortir en même temps que celle-là. Ça me fait pas les bugs quand je suis tout seul, bizarrement. Peut-être juste un petit bug de connexion, je sais pas quoi. Alors, comment que je vais pouvoir organiser tout ça? Les escaliers, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Les escaliers. Arc and flat des escaliers. Ah non,
ça. Par contre, c'est Mathilde qui fait mieux l'accent comme ça. Je sais, je parle tout seul. Hein, voilà. Donc, de l'eau. Au tessu, qu'est-ce que j'ai fait mettre? Ici, c'est rien du tout. Qu'est-ce que je vais mettre? Au dessus, je sais rien du tout. Qu'est-ce que je vais mettre? Hein, voilà. Déjà, peut-être faire des trucs cool. Ce serait mieux. Un truc cool. C'est cool. Ou pas? Bon. Il y a pire, on va dire. Il y a beaucoup plus pire. Genre Manu. Voilà. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est de la... Comment je peux dire ça? L'improvisation la plus totalement gratuite possible. Et la plus ratée aussi, par la même occasion. Ça ressemble à rien, je sais. Hein, pas la peine de me gueuler dessus que c'est moche. Pas la peine non plus de me gueuler dessus que ça ressemble à rien. Et que c'est moche. Voilà, donc. Je sais pas pourquoi c'est bizarre. Ils aiment pas du tout. Oh, mais. Aussi dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Si, en fait, c'est méga grave et c'est archi dégueulasse. Donc, ça sauve déjà un peu mieux le coup, comme ça. Alors, il faudrait que je mette un petit peu de verdure, parce que j'aime bien ça, la verdure. La verdure, c'est les arbres, c'est l'oxygène, l'oxygène, c'est la vie, donc les arbres, c'est la vie. Voilà pourquoi faut pas l'écouter, les couper, pardon. C'est vrai, faut pas m'écouter, des moments j'ai vraiment des conneries. Sauf là, les armes c'est vraiment important. Je sais, vous en avez rien à foutre. Moi aussi. D'accord. Là. Ça. Là. Ça aussi. Et puis ça aussi. Et puis. Ça aussi. Et puis ça aussi, puis ça aussi, et ça aussi, et ça je t'emmerde. Voilà. Parce que tout le monde il est pas content, et moi si. Et moi si, je suis content, parce que j'emmerde les petits blocs. Voilà. Par contre, c'est quoi qui m'emmerde? Ouf. Ok, bon alors là ça va faire le même coup, hein. Génial, c'est magnifique. Alors faut que je recasse tout ça. Hop. Non, là. Voilà, je vais me casser les couilles aussi, voilà. On met, bon, là on passe ça là. Ça là. Et là. Oh putain, ça me casse les couilles. Voilà comment rager dans Minecraft. Vous vous amusez à poser des escaliers dans une position impossible.
Et ça recommence. Sérieux. Bon, si quelqu'un a une idée pour régler ça avant que je pète un câble, ce serait sympa. En fait, vous n'êtes pas là, donc vous pouvez pas me le dire sur le champ. Tout, 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 non. Non plus. Bon, vous savez quoi? De toute façon, là, je vais le casser. Et celui-là aussi, parce que de toute façon, je vais devoir mettre de l'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais mettre? J'avais dit les escaliers, ouais, mais. Ouais, mais. Ouais, mais. Ouais, mais non. Et je sais comment. Alors, j'avais une petite astuce pour la construction intérieure, donc la décoration intérieure assez sympatoche. Je sais pas du tout si ça va bien marcher en fait, mais c'est à essayer. Donc vous mettez votre eau ici, et voilà. Donc là, vous faites pareil. Donc ici c'est l'aspect extérieur, on s'en contrefou parce que de toute façon on verra pas tellement l'extérieur, c'est plus vers l'intérieur. Là il faudra juste que le toit je le fasse un peu mieux, histoire qu'il y ait quand même assez de lumière. Et voilà, là vous faites un truc minable, mais c'est bien. Et ça c'est encore plus minable ce que je viens de faire, voilà. Donc vous voyez, ce que je fais là, bah, il faut surtout pas le faire. Bon, c'est pas la même chose compliquée. J'espère. Si ça, je referme un là, là, et là, et là. Ce que ça le fait pas. Bien. Bon, on va faire simple, hein. Ah oui, non, c'est. J'ai encore fait une connerie. Oui, encore, je fais que ça, tout le temps. Et savoir pourquoi. Du coup. Là. Moi, c'était ça que je voulais faire. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Je sais, je mets de l'or, c'est moche. Pas extrêmement non plus. Au fond, je vais mettre de la limestone. Mais pas partout, parce qu'il faut pas. Donc voilà, vous voyez ce que je fais, bah, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Non, c'est pas la même compliquée, hein. Si, quand même. Vous êtes pas débile à ce point. J'espère, pour vous. Vous voulez un bon exemple de personne à éviter de faire comme lui, c'est Manu. Lui, c'est même pas vous essayer. Mais si vous essayez, ça vous risque de périr. Hein, voilà, si vous essayez, tant pis pour vous, moi ça va changer. Rien à foutre, voilà. Voilà, on en a un. Et puis vous faites comme vous voulez. Ici, qu'est-ce que je voulais faire? Donc ça, je peux le supprimer. Et si je mets des escaliers, ça sera un peu moins moche. On voit plus la lumière. Tant pis. Oh, ça va pas si mal. Et là, la limestone, on pourrait la mettre ici. Voilà. Donc là, la limestone, on la met. On la met où? Ici. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà. Donc ça fait moins dégueulasse qu'au début. Tant mieux. Hein? Voilà. Tout le monde il est content, c'est bon. J'espère que j'ai pas fait une connerie avec l'eau là. La fil de redstone qu'il y a peut-être derrière.
Non, il n'y en a pas de ce côté, ils sont là-bas. J'espère. Parce que oui, j'ai mis des pièges moi aussi, mais je me souviens plus du tout de où. C'est incroyable. C'est dit pas incroyable ça, que je sais même pas où ce que j'ai mis mes trucs. Non, mi haut. Alors, le truc, c'est qu'on va boucher ici. On va boucher ici. Et on va descendre. Ça fera un petit effet bien. J'espère. J'ai jamais, je vous dis, j'ai jamais essayé de faire un truc comme ça. Ce truc-là, c'est la première fois. Ok, génial. Faire comme ça. J'avais rien vu, je ne savais pas qu'il y en avait un juste à côté. Voilà. Si, en fait, vous savez, mais faites comme si vous n'avez rien vu, d'accord? Dans ce labyrinthe, il y a des choses bien sympas. Enfin, bien sympas. Pas trop pour vous, en fait, mais plus pour ceux qui regardent. Ouais, donc, en gros, il y a plein de pièges. Plein, plein partout. Plein, 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 plein partout. Plein, plein. Oui, c'est bon, je crois que vous avez compris. Enfin, il y en a plein partout. Enfin, plein, plein, plein. Et je le ferme aussi. Oh, c'est un bon, même pas fait exprès. Trop fort. Bon. Nous en étions ici. Ici, et là, on peut mettre un petit carré comme ça. Un carré, en fait. Voilà, c'est comme ça, un carré. Normalement, il n'y a rien là-dessous. Ah, mais je suis bête. Je fais ça, hop là. C'est le 92. Oula. Oups, désolé, j'ai fait un retour Windows. Une mise à jour. Pas grave. Ah, excusez-moi pour ça, hein. Je pouvais, c'est vrai. Je vous promets, c'est pas ma faute. 7,98. Wally Wallo. Et le matelot, l'or qui va ici, l'or, parce que l'or c'est joli, l'or c'est notre richesse et le pouvoir. Quand t'as de l'or, t'es respecté, t'as de l'or. Ou aussi tu vas être tabassé par les mecs du bahut pour l'avoir. Mais bref, t'es respecté quand même un petit peu. Encore ça, bordel. Est-ce que ça dé... Non, c'est bon. Donc si vous voyez ce mur, bah, vous savez où ce que vous êtes. On va me faire un dessin. Enfin, j'espère. Parce que niveau dessin, je suis une bille. Voilà. C'est dit, voilà, je suis nul en dessin. Comme pas mal de monde, je suppose. Bien, bien. Alors, vous lâchez l'eau. Ouais, moi je lâche pas les chiens, je lâche l'eau. Là, vous avez un joli petit machin qui ressemble à rien. Après, vous pouvez faire un joli petit... Oups. Voilà, si je descends pas ça aussi. Désolé, si vous m'avez pas bien entendu depuis le début, j'avais pas baissé mon casque. Oui, vous avez le droit de me traiter d'abruti cette fois, oui, vous avez le droit. Donc allez-y, faites-vous plaisir, voilà. Solirion est un abruti, voilà. C'est dit, c'est fait, merci, au revoir. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis du bois, j'en sais rien du tout. Parce que c'était pas du bois que je voulais mettre, c'était du verre. Du véritable. Enfin, du verre quoi.
Ouais, on voit pas bien à travers, mais ouais. Donc si vous voulez vous jeter dans l'eau, bah allez-y, hein. Par contre, bonne chance pour remonter. Voilà. Bon, j'étais pas obligé de remonter comme ça, mais voilà. Hein. Donc, slash 7 warp, ici on va l'appeler find. Pouf. Si je fais. À moins, il y aura un truc, un bouton pour appuyer. Mais si je fais slash find, slash warp find, pouf, je suis ici. Mais voilà. Et là, si je fais ça, pouf, je remets quand même en face. C'est pratique. Et je pense que vous connaissiez déjà, en fait. Parce que vous êtes pas des abrutis. Comme. Vous n'êtes pas des abrutis comme Manu. Puis moi, j'espère pour vous. Lyon, il revient normalement dans pas longtemps. Donc, pour vous situer un petit peu, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15. Et Lyon est censé revenir jeudi ou vendredi ou samedi. Je sais pas exactement. Donc avec lui ici, bah, comme on n'a pas tout encore terminé, ça je peux vous le dire. Enfin, on n'a pas encore terminé, il manque encore le labyrinthe, la déco du labyrinthe. Enfin, quand je parle de la déco, vous voyez ce que je veux dire. Et puis normalement c'est bon. Donc je vous propose de, bah, comme ce sera bon, de faire les tests. Et bah, la semaine, pas la semaine prochaine. Donc pas ce vendredi-là. Enfin, pas ce samedi-là, mais celui de la semaine d'après. Donc ce samedi, on sera le 18, si je ne m'abuse. 18 et 7, ça sera donc pour le 22. Si je ne me trompe pas. Si, déjà, je me trompe, c'est pas le 22. 32. Voilà, c'est ça, c'est le 32. Le 32, mais bien sûr. Oh là 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 là. Pas le 32, je sais même plus quel jour ce sera. C'est le samedi, pas ce samedi-là, c'est un samedi d'après. Donc je vous ferai un bref rappel dans les épisodes suivants. Ah, mais sérieusement, le samedi 32. Non, mais. Ça va toujours pas mieux, je suis toujours aussi taré, moi. Y a pas eu assez de pouces vert sur les vidéos. Non, je déconne, c'est bon, prenez pas la mouche. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus qui pourrait faire sympa pour le toit, notamment. Je pourrais continuer comme ça, non? Hop. Oh, si je fais un truc comme ça, peut-être que ça rendrait pas mal. Là. Ça, si on le rejoint là, là, si on rejoint comme ça, personnellement, l'aspect extérieur, on s'en fiche un pas mal en fait, parce que bah ça va être à l'intérieur, enfin en intérieur, enfin, vous verrez pas de l'extérieur le bâtiment si vous préférez, parce que bah, si vous voulez le voir, en gros, ça donne ça. Je sais pas, ouais, c'est pas super, hein. Mais le principe, c'est plutôt de jouer au lieu de regarder l'architecture extérieure. C'est un conseil. Parce que si vous regardez mes architectures extérieures de ce que je fais, vous risquez d'être déçus. Enfin, pas de toutes, hein, mais la plupart. Voilà. Enfin, surtout l'architecture extérieure de ça. Enfin, de ce find and kill. Ouais, par contre là en un bloc ça va être dur de combler, donc je vais faire ça. Ça. Donc ça fait un peu court en épisode, donc je vais finir ça. C'est parce que je sais pas trop quoi faire en plus.
J'essaie de faire des épisodes pour m'arriver et qui restera plus que l'architecture du labyrinthe à finir. Parce que ça, c'est. Peut-être revoir l'intérieur avec Matwild et Léon. Mais personnellement, je sais pas. J'ai vraiment pas d'idée que ce que je pourrais faire d'autre. Pour l'instant, ça va. Hein, on va dire ça. On va dire que ça va. Si vous avez des suggestions à faire pour les constructions que je fais, n'hésitez pas, hein, dites ce que vous pensez qui pourrait améliorer ou je sais pas quoi. Le seul moment où vous n'avez pas le droit, sauf autorisation, c'est pour le manoir des Shadows. Et oui, bah ça, c'est censé être que pour les Shadows en fait. Enfin, que pour les Shadows. Enfin, que la Team Shadows fasse sa propre création en fait, sa chambre. Chaque personne aura sa création, sa propre création qui lui est propre. C'est pour ça que il y a Emric2912 qui pouvait me demander s'il pouvait faire un petit jardin, un peu à la style Matwild. Je lui ai dit non. Enfin, il voulait faire ça et un couloir d'eau. Donc, je lui ai dit non, tout simplement parce que c'était Matwild et Manu64 avaient déjà fait ça. Donc, ce serait mieux qu'il fasse quelque chose vraiment de sa propre création, bah, comme ce qu'il est en train de faire. Vous aurez l'épisode normalement le jour où je sortirai cette vidéo aussi. Il y a de l'orage. Voilà. Donc, ceci c'est fait. Bon, c'est pas si moche que ça quand même. Si. Bah là cet endroit oui je vous l'accorde surtout que si je peux pas mieux modifier en fait voilà ah mais de l'autre côté ça me le fait pas ça bordel. Alors, si j'arrive à corriger ça, je vais fermer la petite fuite. Hop. Hop. Hop, voilà. Ben voilà. C'est pas si horrible que ça, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup mieux, mais bon. Pour moi, hein, c'est pas si moche que ça. Donc vous pensez ce que vous voulez, hein. Parce que moi, de vos appréciations, j'en ai strictement rien à foutre. Non, enfin. Enfin voilà quoi, c'est une blague en fait. Enfin si vous avez des idées pour améliorer, hein, dites-les. J'accepterai bien sûr. non, sérieusement. Sérieusement, oui, si vous avez vraiment des idées qui pourraient améliorer ça, dites-les moi, hein, je serais heureux de savoir. Hop. Donc ça serait cool si vous pouvez me faire des propositions comme ça. Si vous avez quelque chose pour améliorer ce lieu, bah dites-le moi. C'est, enfin, vous avez pas grand-chose à perdre, quoi. Oui c'est là. Oula. Comment faire disparaître un bloc? Bah comme ça. Bien bien. Un ch'ti pot de fleurs. Et vous savez que dans un cadre, on pouvait mettre un cadre. Vous savez pas ça, hein? Dans un cadre, on peut mettre un cadre. Le cadre dans le cadre. Ouais. Parce que moi, je suis trop un beau gosse, regardez. Je mets le cadre dans le cadre. Donc, c'est simple. Hein, vous prenez un cadre et puis vous mettez un cadre dans le cadre. Vous mettez le cadre et là, vous mettez un cadre dans le cadre. Voilà. Et ça fait des jolis petits yeux. Donc, vous pouvez tourner aussi. Là, si vous le voyez bien, ça peut faire des sortes de lunettes avec la petite branche qui part sur le côté comme ça. Vous pouvez faire un quelqu'un qui louche, quelqu'un qui a la vue un peu bizarre. Bah voilà, voilà, c'est oui, je m'amuse, mais bon, de la lumière, parce que il me semble que celle qu'il y a au fond là, ce n'est pas énormément suffisant en fait. Je peux mettre celle. Oh yes, ça marche. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Ouh, faut essayer si je peux faire ça. Ouais, un tableau. Ça fait un tableau avec un arbre dedans.
torche et une demi-dalle. Demi-dalle, hop là. Donc ça, c'est mon astuce pour faire ça. Non, à vrai dire, c'était pas toi que je voulais mettre dedans. Donc. Ok, bon, si je commence à faire des conneries, on va pas faire. Ah oui, on peut pas mettre ça dedans. C'est vrai. C'est vrai, mince, mince, mince. Mince, mince, mince. Mince, on peut pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, dommage. Bah, je vais essayer de le faire là, vous allez voir. Bon, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Enfin, si je crois, je pense que vous avez déjà montré ça. Regardez, vous faites ça, hop. Hop, et ça fait une sorte de un petit porte-torche. Un peu à la style. À la style ce solirien. Mince, non, ça c'est là-dessus que je vais te mettre. Hop. Enfin, vous pouvez le tourner, hein, le truc aussi, mais ça le fait pas après. Voilà. Donc vous faites comme ça. Ça fait des jolies porte-torches. Voilà, c'est ce que je fais moi pour faire mes torches. Je sais pas quoi ça va servir d'en faire ici, mais ça fait classe. Donc voilà. Oh. Voilà. Je trouve ça quand même con qu'on puisse superposer deux objets, mais bon. Je sais pas, dans la réalité, tu peux pas faire ça, quoi. Tu mets un bloc de pierre dans un cadre et tu mets une torche sur le mur là où tu mets le cadre par-dessus, en fait. Quand on pense ça en version réelle, ça fait quand même un peu flipper. Hein? Non, pas vous. Bon. Hop. Hop. Et là, ça fait des yeux. Là, vous avez un cochon. Voilà, avec les yeux puis les oreilles. Enfin, les yeux pas contents, hein. Il fait les yeux pas contents. Je sais, c'est totalement stupide, mais c'est pas grave, hein. Voilà, vous allez pas commencer à m'emmerder avec ça, hein. Je fais juste des conneries. Des grosses, 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 grosses conneries, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Comment on s'en fiche? Vous avez rien vu, j'ai pas fait des conneries avec les torches, c'est pas vrai. Vous avez rêvé. Enfin, techniquement, non, mais voilà, faites comme si. Oh bah, c'est pas si mal que ça. Hein, pour un nul en construction. Par contre, petite question. Ça va paraître bête, hein, mais. Comment je sors maintenant? Ah bah c'est simple, regarde, tu casses le mur, hop, t'es sorti. Ouais. Ouais, mais. Ah bah. C'est qu'on n'a pas fait l'extérieur. Donc je pourrais faire un truc slash warp x. Mince, c'est slash 7 warp. Voilà, vous faites slash warp find, hop là, comme ça, et pouf, et vous faites slash warp x, hop. C'est encore mieux qu'une porte, vous avez vu. Vous imaginez la téléportation comme ça dans Minecraft, dans la réalité. De toute façon, tu écris ça sur ton portable, slash warp maison, ça te téléporte chez toi. Ça serait cool quand même. C'est une appli à faire. Ouais. Ça serait cool quand même. Non? Non, c'est. Voilà. Donc vous référez pas à la forme extérieure du bâtiment, s'il vous plaît. Un peu de tenue, quand même. Dans le bande de petits cochons, vous pensez à quoi? Hein? Non mais. À quoi est-ce que vous pensiez là, hein? Je vous vois venir là, avec vos conneries. Bande de jeunes. Non mais. Aucune tenue, hein. Bon. Ça c'est toujours bien d'éclairer l'extérieur, même si on le verra pas. Là et là. Tac, 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 tac. Non, pas là, là. Imaginez-moi si, dans la vraie vie, avec mon poing, je vais taper dans les barrières, ça va les casser. Tu vois, je vais taper dans la pierre, ça va les casser. Je vais taper dans l'arbre, ça va le casser. Ah, t'as vu ça?
Puis c'est Slash Thunder et puis je deviens Zeus, je contrôle la foudre. Oh yeah. Voilà à quel point Minecraft c'est totalement tordu quand on y regarde bien. Bon, bah c'est bon. Manque plus qu'à faire le toit avant que tout s'inonde. Ce serait con. Donc, regardez, par exemple, si je me téléporte ici, essayez d'aller buter un mec qui se trouve là-bas. Là-bas, ou dans le coin, là-bas au fond. Je sais même pas si vous arrivez à le voir d'ici. Vous voyez tous les chemins, ils mènent n'importe où. Donc il y a un petit peu de lumière hein, qui est de temps en temps. Par exemple, regardez là si vous arrivez ici, vous pouvez descendre en sous-sol, donc je vous montre ce que ça fait. Enfin, déjà quand vous êtes sorti là. Là par exemple vous arrivez là ou hop 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 vous voyez la descente, allez vous y allez, hop 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 hop. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais là hop 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 et vous ressortez là et vous savez même pas où est-ce que vous étiez juste avant. Si on était là. Donc on est parti de là, on a fait trois routes, on est arrivé jusque là. Voilà, ça donne à peu près un truc comme ça. C'est ça un labyrinthe à double étage. Oh yeah! Bien bien, ben, je vous propose qu'on s'arrête ici pour cet épisode. Hein. Désolé pour la coupure en plein milieu à cause de. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti à cause de mon petit retour Windows. Je mets fin à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!